Alors moi, c'est Marie, j'ai fait un BTS bâtiment et je suis arrivée aux mines d'Alès pour poursuivre mon cursus en ingénierie. J'étais en spécialité bâtiment. Aujourd'hui, je suis ingénieure études de prix. Ça consiste à faire des études techniques et économiques d'un projet en amont, à la fois pour gagner des projets du côté commercial et puis pour préparer le dossier pour les travaux d'un point de vue réalisation. L'IMT Mines d'Alès m'a préparé à mon métier, je dirais pour deux raisons. La première, c'est d'un point de vue technique avec l'ensemble des cours et de la diversité des cours. Ça m'a permis d'avoir un bagage technique assez important et surtout très polyvalent. Et le deuxième point, je dirais, c'est tout ce qui concerne le savoir-être de façon générale, le fait de faire une école d'ingénieur, d'être dans un cadre très particulier. Je trouve que ça m'a aidé à avoir une ouverture d'esprit et à me poser des questions et à raisonner ingénieur, si je puis dire. Alors moi, le conseil que je donnerais à un élève qui souhaite faire la formation par apprentissage, c'est de profiter à fond de tout ce qu'on apprend pendant ces 3 ans. C'est très très dense, il ne faut pas hésiter à apprendre tout ce qu'on peut, et du côté école et du côté entreprise. On a un peu l'impression parfois d'être deux personnes, d'être à la fois l'étudiant et à la fois le travailleur, mais c'est tout l'intérêt. C'est très dense, mais c'est super enrichissant, donc profitez du début à la fin et ne pas louper une miette de ces 3 années. Les 3 points forts de l'IMT Mines d'Alès, c'est dans un premier temps les intervenants. Je trouve qu'on a eu des intervenants très polyvalents, avec des métiers très différents, et ce qui nous apporte énormément de choses. La deuxième, je dirais, c'est que l'IMT Mines d'Alès cherche constamment à se renouveler, donc à adapter les cours à l'ère du temps, on va dire. Et enfin, le dernier, mais pour moi le plus important, je dirais que c'est le cadre. Ce mélange école et campus nous permet vraiment de grandir à la fois d'un point de vue scolarité, mais aussi d'un point de vue humain. L'enseignement qui m'a été le plus utile depuis le début de ma carrière, c'est assez paradoxal parce que je pense que c'était une des matières que j'aimais le moins, mais je dirais que c'était le suivi et la valorisation de l'apprenti. Et c'est un exercice très difficile qui demande à la fois de faire le point sur ses compétences, donc de réfléchir, de préparer des rapports et de faire une présentation. C'est à la fois un exercice qui paraît super simple et en même temps qui nous sert tout le reste de notre vie, parce que ça nous apprend parfois à faire un stop sur notre travail et à se poser des questions, tout simplement, et se poser les bonnes questions. L'apprentissage à IMT Mines d'Alès, je dirais que ça m'a apporté déjà de la sérénité dans mon travail, parce que j'ai eu 3 ans pour me faire à mon poste. Et ça m'a également apporté vraiment la notion de comment travailler, comment m'imposer et ce que je voulais dans mon métier.